En temps normal, il sépare, isole, mais ce mur, très long mur de la rue Aubervilliers à Paris a toute autre vocation. Orné de calligraphies, arabesques bleutées ou encore de mots d'amour, de paix et d'égalité, la plus grande fresque murale de Paris semble avoir trouvé son public. On est vraiment devant quelque chose que je trouve absolument magnifique, quoi. Les oiseaux comme métaphore de la migration, avec les gens qui migrent, qui font face à ça, je trouve ça vraiment très très beau, quoi. Une thématique d'actualité que le danseur hip-hop Smaïl Kanouté a également tenu à reprendre dans sa performance. En fait, c'est une valise avec des enceintes. Donc, comme un danseur, ça me permet d'aller où je veux et danser. Et voilà, cette valise raconte aussi l'histoire des migrants qui est aussi décrit dans cette fresque derrière nous. Le vivre ensemble, le pouvoir d'agir, les luttes contre les discriminations, des valeurs défendues il y a déjà 60 ans par Rosa Parks, cette Américaine qui avait refusé de céder sa place dans un bus à un passager blanc. Aujourd'hui, 5 artistes engagés ont souhaité associer les habitants du quartier à ce combat, plus que jamais d'actualité. L'idée, c'était de travailler autour de toutes ces valeurs que je vous ai évoquées sur le vivre ensemble, l'engagement citoyen, pour ensuite, toute cette matière qui a été discutée se retrouve sur le mur. Des créations à admirer librement au cours des 6 prochains mois, avant que le mur ne soit entièrement rénové.